Bonjour, je suis Dominique Copanin. Donc, je suis engagée depuis très longtemps dans le secteur de l'écologie et en particulier de la transition écologique. D'abord de par ma formation scientifique et ensuite de par mon activité professionnelle à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique en France, qui m'a permis de lancer des coopérations au niveau international puisque j'étais la directrice de l'action européenne et internationale. J'ai eu dans ce cadre-là, l'occasion de travailler à l'époque avec l'IEPS, puis l'IADV, et cette coopération a été pour moi formidable parce que j'ai trouvé des partenaires de qualité, des projets avec des succès avérés et une occasion de partage et de réussite très importante. Aujourd'hui, je fais partie du conseil d'orientation de l'IADV et pour moi, c'est une posture qui me semble très intéressante. Pourquoi ? Parce que je pense que l'espace francophone ne se limite pas à l'usage du français. C'est un espace de solidarité, c'est un espace de créativité, c'est un espace d'échange économique, de lutte contre les inégalités et surtout un espace spécifique pour le développement durable. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit l'urgence qu'il y a à agir par rapport au climat, par rapport à l'effondrement de la biodiversité, par rapport aux objectifs du développement durable qui ne sont pas atteints, et loin de là, je pense qu'il faut se mobiliser collectivement. Et l'espace de la francophonie, et en particulier l'IFDD, va permettre cette mobilisation, va permettre de démultiplier les projets qui ont succès et de renforcer les partenariats entre les membres des pays francophones et même au-delà.